Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une information en ce qui concerne les braquages que vous attendez avec impatience. Donc ne dites pas dans les commentaires ouais tu dis de la merde etc. Donc c'est des valeurs sûres, ce n'est pas des rumeurs, c'est des explications, ce n'est pas des hypothèses, c'est des sources sûres étant donné que ces informations ont été tirées directement du site Rockstar Social Club. Donc je mettrai les liens dans la description. Et du coup voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je tiens tout simplement à remercier l'abonné qui m'a passé et qui m'a fait un transfert de licence pour que je puisse avoir les véhicules de l'édition collector de GTA V. Donc je fais une petite dédicace à Alexis, je te remercie de m'avoir passé ton compte afin que je puisse avoir les véhicules de l'édition collector. Je n'avais pas pu m'acheter l'édition collector à la sortie de GTA V parce que je n'avais pas l'argent. Et du coup voilà, donc je fais une petite parenthèse, donc je suis actuellement dans la Caméléon. Donc si des gens se posent la question, donc du coup voilà. Bref, donc dans la description vous pourrez apercevoir deux liens. Donc deux liens qui vous mèneront tous les deux vers le Rockstar Social Club ou le site tout simplement de Rockstar Game. Donc dans ces liens on va tout simplement les détailler et je vais les expliquer. Donc je tiens à préciser que je ne sais pas quand est-ce que les DLC, quand les braquages arriveront. J'émettrai une toute petite hypothèse en fin de vidéo, donc pour ceux qui resteront en fin de vidéo, mais je ne mettrai pas en titre hypothèse, les braquages seront en 1.16, etc. Bref, donc dans la description, vous pourrez apercevoir un lien où il y aura écrit « Mise à jour printemps pour Grand Theft Auto 5 ». Donc si vous lisez bien, vous verrez qu'il y aura écrit « Mode éditeur, mode capture » et qu'il y aura écrit « Mise à jour vie de rêve ». Et si vous descendez un peu plus bas, il y aura tout simplement écrit « Les braquages ». Donc il y aura écrit que les braquages seront disponibles fin printemps. Et du coup voilà, donc ça a été publié par Rockstar il y a pas mal de mois, étant donné que c'était prévu pour printemps. Mais les braquages ne sont toujours pas arrivés. Donc nous sommes bientôt arrivés à mi-été et les braquages ne sont toujours pas là. Donc pour ceux qui auraient eu qui seraient partis voir sur le Rockstar Social Club, les braquages ne sont les braquages ne sont pas là. Où sont-ils? Donc les braquages ne sont toujours pas là. On est mi-été, les braquages ne sont pas là. Sauf que Rockstar a publié un nouveau post, un peu plus discrètement cette fois-ci, mais a posté un post sur cette fois sur le post où il parlait de la mise à jour hipster. Donc la mise à jour hipster reste toi-même, donc ce lien sera disponible dans la description aussi. Je mettrai une traduction de ce que je vais vous dire. Et dans ce post c'est tout simplement écrit que Rockstar a encore une fois décalé les braquages et qu'ils ne seront toujours pas disponibles fin printemps, mais qu'ils seront disponibles un peu plus tard dans GTA 5. Ils ont bien stipulé qu'ils ne voulaient pas sortir les braquages maintenant, étant donné qu'ils voulaient travailler et qu'ils voulaient nous offrir une meilleure expérience des braquages. Du coup, c'est ce qui a été écrit. Moi, personnellement, j'ai acheté GTA V un peu pour les braquages et un peu pour le mode libre, mais j'ai l'impression que Rockstar se fout un peu de nous là, parce qu'ils nous disent ouais, fin printemps il va y avoir les braquages, tout le monde est impatient, donc tout le monde reste sur le jeu afin d'avoir les braquages. Fin printemps, mi-été, il y a absolument rien. Du coup je pense que vous êtes nombreux à vous poser des questions, vous êtes nombreux à vouloir les braquages, j'en fais partie. Il va sûrement y avoir des petites astuces ou des petits glitches à voir et à faire avec cela, mais où sont les braquages? J'ai envie de poser une question à Rockstar. Où sont les braquages? Nous les attendons, vous avez dit qu'ils arriveraient fin septembre, fin printemps. Ils ne sont toujours pas là. Je me pose des questions, je sais pas ce que vous posez comme question vous. Donc l'hypothèse que j'émets, c'est que Rockstar a tout simplement déplacé le DLC, le jour de l'indépendance. Il devait être supprimé fin juillet, il a été déplacé, il va être supprimé fin août, étant donné que les véhicules sont toujours disponibles, hein, à part l'arme feu d'artifice n'est plus disponible sur Xbox 360 et PS3, mais sinon les véhicules sont toujours là. Donc peut-être, c'est une hypothèse, mais j'en suis pas sûr,
Peut-être que Rockstar a tout simplement déplacé cette mise à jour afin de pouvoir continuer et travailler un peu plus sur les braquages afin de nous les donner en mise à jour 1.16. Après, si ce n'est pas en mise à jour 1.16, ce sera peut-être en 1.17, mais je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là. Après, je trouve ça un peu stupide que Rockstar mette les braquages à la rentrée, donc septembre, parce qu'il faut savoir que Rockstar ne font qu'une seule mise à jour par mois, donc ils font généralement la mise à jour au début du mois. Donc du coup, c'est pour ça que j'émets l'hypothèse que la mise à jour sera mardi, mais ce n'est pas sûr, donc demain. Donc du coup, je pense avoir tout dit pour ce qui concerne les braquages. Je pense que je vous ai assez informé de l'avancée des braquages. Si j'ai plus d'informations, je vous tiens au courant sur Facebook et Twitter comme je le fais d'habitude. Donc d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre et à m'ajouter sur Facebook. Il ne reste plus que 600 places dans mes amis si vous voulez recevoir l'actualité en temps réel en ce qui concerne tout ce qui touche GTA 5 ou même d'autres jeux. Donc du coup voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bye bye tout le monde.